19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Sobriété, solennité, élégance, beauté, rigueur et discipline ont caractérisé le défilé militaire et paramilitaire qui s'est déroulé sur le boulevard des armées hier, marquant le 58e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale et internationale à Cotonou. À Alada, à l'instar des autres communes du pays, les forces de défense et de sécurité ont effectué des parades propres à de pareilles circonstances. Le point dans un instant. Toujours dans la faveur de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin, à suivre dans cette édition le directeur exécutif d'Amnesty International qui rappelle l'importance de la défense des droits de l'homme et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les appréciations du président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, sur l'état de la presse au Bénin 58 ans après l'indépendance. Dans cette édition, le compte rendu du match de gala qui a opposé deux équipes, l'une composée des artistes portés par le comédien Pipi Wabaro et l'autre composée des autorités politico-administratives portées par Modeste Toboula, préfet du département du littoral. Ce duel du Cuiron, qui s'est soldé par un score de 3-1 en faveur des autorités, a fait vibrer le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou dans la soirée d'hier. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Les forces armées béninoises ont défilé ce 1er août 2018 devant le président de la République, Patrice Talon, chef suprême des armées, le haut commandement militaire, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, les députés à l'Assemblée nationale, le corps diplomatique et aussi en présence de diverses personnalités sociopolitiques et religieuses. Sur le boulevard des armées, face à la tribune officielle, installée circonstanciellement à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou, en une heure environ, les forces de défense et de sécurité ont effectué une belle parade dans une discipline et une rigueur irréprochables. Lequel défilé militaire et paramilitaire s'est déroulé sur des mélodies exécutées par l'escadron de musique de l'armée de terre et la première compagnie de musique de la police républicaine, grosse attraction de ce défilé. Sur ce, je vous invite à revivre le passage très émouvant de la police républicaine, le premier dans l'histoire de cette force unique de sécurité créée le 1er janvier dernier. Le commissaire principal de police, Wally.
opératoire de cette unité spécialisée de la police républicaine. Elle est inspirée de la démarche de l'insecte carnassier dont elle porte le nom et qui est en des étapes de cette marche qui se décline ainsi qu'il suit. Le soulèvement de la jambe. Sa suspension et son maintien en perpendiculaire avec le coude cassé du bras opposé. Le buste légèrement incliné vers l'arrière. La progression vers l'avant du buste et de la jambe suspendue. De ce défilé militaire et paramilitaire, le troisième effectué sous le régime du président Patrice Talon, quelques autorités invitées à ce rendez-vous solennel ont bien voulu apprécier le dit défilé au micro de nos reporters. Ils ont par la même occasion commenté le message du chef de l'État à la nation béninoise le 31 juillet dernier. On les écoute. Bon, alors mes impressions sont très bonnes. C'est un défilé que j'aime beaucoup. C'est un défilé qui a été fait dans le temps. Il a été bien animé, il a été bien commenté et il a été joyeux. Nous avons apprécié donc écouter la force républicaine, donc la force qui assure la sécurité de l'État et de la population. Et c'est à l'image donc effectivement de notre président qui sait bien faire les choses. Une chose particulière que j'ai aimée cette fois-ci, c'est le décor. On a bien présenté le décor avec des affiches placardées et donc un espace vraiment animé, vraiment gay. Ça nous transporte un peu, je dirais, dans tout cet ensemble de choses qui seront faites par rapport au programme d'action du gouvernement du président Talon. Donc je loue la grandeur. Bonne impression. Le dispositif était impeccable. On a senti qu'il y a une touche particulière cette année. Et la discipline militaire a été au rendez-vous comme d'habitude. Et je dis, tout est impeccable. Je crois qu'on a assisté à une fête. Et une fête bien organisée dans une harmonie. À l'heure où la police républicaine est en train de lever, nous pouvons dire merci à tout le monde. Un très joli défilé, mais militaire par militaire. Je crois que nous avons assisté à du beau dans le temps et dans l'espace. Vous avez vu l'environnement, comment il est beau. C'est ça, et la fête nationale, la fierté nationale. Nous n'avons pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais je pense que vous avez vu, et il faut retenir que c'était beau. Donc je crois quand même que c'était un très bel événement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement qui nous rappelle qu'il y a 58 ans,
nous n'étions pas libres, nous n'étions pas autonomes, nous n'étions pas indépendants. Donc aujourd'hui, nous sommes indépendants, il faut donner un peu plus d'espoir à la nation. La fête, comme d'habitude, a été majestueuse, encore plus majestueuse que l'année dernière. Mais le message, c'est d'abord la discipline hein, des militaires qui doit être une référence pour le peuple. Le thème de ce défilé, c'est les défis sécuritaires. Nous sommes un pays de paix, un pays paisible. Si ce thème a été retenu, c'est l'expression même de la capacité d'anticipation du chef de l'État. Le chef de l'État, il anticipe. Donc, tout événement qui adviendrait, ce thème signifie que nous devons nous tenir prêts. Sur le front de l'économie, le pays avance, tout le Bénin est en chantier. Les infrastructures routières, les barrages, les centres de santé, alors vous mettez la ville, lequel de référence, le centre de santé de référence, le barrage d'Agadala qui va voir le jour, mais surtout l'électricité, les coupures sont en train de soutenir. Et c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les ménages. Mais le plus important, puisque vous, je m'exprime en français, c'est ce qu'on appelle le rating des agences de notation. Livrer un message de satisfaction sur le plan de la gestion macroéconomique, de la stabilité, des réformes structurelles et surtout des perspectives de croissance. Ça, c'est un signe extrêmement fort. Ça signifie que la qualité de crédibilité du gouvernement est extraordinaire et le gouvernement est en même temps de lever davantage de ressources financières sur le marché pour accompagner le développement. Ceci vient en renforcement de ce que le Fonds monétaire a délivré le 29 juin dernier en disant que la facilité et l'élargissement de crédit se passe très bien et que le Bénin est sur la bonne voie au point de vue des réformes et du point de vue des perspectives de croissance. Elles sont estimées à 6% pour cette année 2018. Et en 2019, on a toutes les chances d'avoir une croissance nettement plus forte. Lorsque vous croisez la croissance avec la politique de redistribution des revenus, ça signifie que vous avez effectivement sur le peuple, un impact sur la société. Dans le discours du chef de l'État, c'était un discours de succès, mais qui était profondément donc, apprécié de tous, particulièrement moi. Je pense que le chef de l'État a dit juste l'essentiel et les Béninois ont compris. Il a donné ses impressions. Il a fait un peu le tas des lieux et je crois qu'il a réaffirmé sa volonté de faire les réformes. Et dans ce cadre-là, il faut comprendre qu'aucune réforme ne peut porter aussitôt. Il a le temps de faire, de mettre en terre d'abord les fondations et de passer aux actions concrètes. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et je pense que le Bénin pourra voir la révélation du Bénin dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir. Un message aujourd'hui qui est concordant avec tout son programme d'action. Et là, je lui fais un clin d'œil sur l'encourage parce que il faudrait qu'il fonce, comme l'a dit le Voice Populi. Il faut qu'il fonce parce que aujourd'hui, il n'y a que ces contenus-là pour pouvoir nous permettre de sortir du développement. Alors, aujourd'hui, que ce soit les capsules scolaires, que ce soit le monde du numérique, que ce soit donc les programmes d'action du gouvernement avec la cadre AVIP et tout le reste par rapport donc, aux différents contenus du programme d'action du gouvernement, nous louons cela et nous sommes persuadés que vraiment, avant la fin du premier mandat, président, nous serons encore avec un niveau beaucoup plus évolué vers un pays émergent, un pays qui ne va plus être au diapason de ce qu'il était il y a une dizaine d'années. Parlons à un pays indépendant, je nous souhaite bonne fête à tous. Après les manifestations officielles, une équipe de nos reporters, dépêchée par la rédaction en chef de ZAE Télévision dans le marché international de Dantokpa, est allée s'enquérir des impressions des bonnes dames de ce marché sur la célébration de la fête de l'indépendance, mais aussi et surtout sur le déroulement des manifestations officielles marquant le 58e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. On les écoute au micro de Charlie Fandodé et Christian Thomas Menon. Je suis un peu plus de temps.
eyin awa jije da hun tomiton bo do pe lo me on tomiton ayin to mra yin to dagbe mra yin to de no yin kon dewu bo you know to le bi kuno de kopon mlo te ki gojo nto e lo tomiton mo ra yin gboro to e lo me on do Jesus Christ na jai ton de suna jete do to me mra dirije mi mra dirije to gan mra se prophète ledo bo prophète le yin no go alone mi ro son limi to me tegbe bo dude ji ona no imi to tegbe ro beneto e lo me mi kuna yin mede bla jai ro to lo me pere po di le tito dagbe kode yo mo mi na no gbo kaka re yo dede ji o jijo na no to lo me bi pana bi emi jijo na no me bi pana bi emi no dagbe we na bi o to lo me bi le na no jijo o bo mi lo so na no jijo o nde pe pe ma wa ye ihon ran kan do eji bo a che dagbe na je eji ta dagbe we bo tu ayin lo mo pe yo ta dagbe da ho we be pe yo e ka yin pe jo pe de beneto complain andu pe lo na so yin pe si na to le bi fifa na bi o pe lo me heru le mi de e na gbo bo to ro na mi yon bo mi na wa du gbe to ro ton e ju asan de je gbe mi na du to sin gbe wa mele bi na no jijo ho oh asi dan ni alo pa pa de no jijo ni le bi ma ona du alo te na bi bo kana fa pe o to ona mi bo to ona ti fa sin pe. La célébration de la fête de l'indépendance chaque année donne l'occasion de faire un bilan des avancées qui ont été connues, mais aussi des reculs qui ont eu lieu dans un domaine donné. Ainsi, EZAE TV a bien voulu s'intéresser à l'état de la presse nationale 58 ans après l'accession du Dahomey devenu Bénin à la souveraineté nationale et internationale. La question de la liberté de la presse impliquant beaucoup d'acteurs tels que les politiciens, les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les journalistes a été évoquée. Je vous invite à suivre le président Franck Pochemé, président de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, pour plus de détails. Pour mesurer l'état de la liberté de presse, il y a beaucoup de facteurs que nous prenons. Aujourd'hui, dans notre pays, nous pouvons dire qu'il n'est pas possible. On n'observe pas ces derniers moments des cas d'arrestation. Nous avons une législation qui a assez évolué, qui a été dépénalisée, qui ne permet plus d'envoyer les gens en prison. Mais n'empêche que même quand nous avons des lois bien faites, que des individus essayent de pouvoir aller contre, de trouver des subterfuges pour pouvoir remettre en cause, contourner la loi. Nous n'assistons pas, mais nous assistons plutôt à d'autres formes de prise en otage de ces libertés, comme par exemple la situation que vit sur l'AFM au Bénin, qui est une situation inédite, hein, qu'on n'a jamais vue par le passé. Les populations de Cotonou sont privées de suivre, alors que les populations doivent être libres de suivre la radio de leur choix. Oui. Nous observons également, par rapport aux journaux, des titres, hein, des titres siamois. Oui, c'est aussi une forme d'atteinte à la liberté. On ne se sent pas une liberté dans la mise, dans la finition, dans la production au niveau des journaux, de la presse écrite. Donc c'est un peu ce cas-là que nous dénonçons aujourd'hui. C'est pour dire que la question de la liberté au Bénin depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça a fluctué, ça n'a pas adopté une position rectiligne. Hein. Les formes que nous observons aujourd'hui, par exemple, la situation que vit sur l'AFM est tout à fait originale, on n'a jamais vécu ça par le passé. Et ça n'a jamais été l'objet d'une revendication, c'est nouveau. Et nous faisons avec depuis sans trouver de solution malheureusement. L'État c'est un ensemble, nous avons tous un rôle à jouer. Nous d'abord journalistes, est-ce que nous faisons suffisamment comme le recommande la déontologie, les règles que nous sommes librement fixées? Ce n'est pas vrai. Les organes de presse, est-ce que les organes de presse sont gérés en véritable entreprise pour pouvoir assurer la pérennité? Ce n'est pas vrai. Est-ce que les patrons, l'État central nous aide? Ça veut dire que autant que nous sommes, nous avons une partition à jouer pour que l'État des droits soit toujours dans leur pays.
Amnesty International ou Amnesty International est une organisation non gouvernementale qui se donne comme mission la défense des droits de l'homme, le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon le rapport 2017-2018 d'Amnesty International, les autorités ont continué d'imposer des restrictions à la liberté d'expression et de réunion pacifique. 14 prisonniers restaient sous le coup d'une sentence capitale bien que la peine de mort ait été abolie. L'accès des groupes de la société civile aux prisons du pays a été restreint. Le Bénin a rejoint la campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants. Ainsi, à l'occasion de ce 1er août, une équipe de nos reporters s'est rapprochée du directeur exécutif d'Amnesty International, Fidèle Quincan, afin de recueillir ses impressions à l'occasion. On l'écoute au micro de Esther Tofa, Ruth Hunjo et Prudence Koussouron. Quand nous observons aujourd'hui les assauts multiples régulier, constant et violent contre cet arsenal de 90. On a quelques exemples qui montrent que ce consensus qui a été politique, qui a été retenu comme principe directeur de la vie sociopolitique de notre pays, que cette fatalité de la confiscation des libertés individuelles et publiques fondamentales qui avaient été acquises sont effritées, sinon érodées. La liberté de presse aujourd'hui est une grosse question. Je ne parlerai pas de la Nouvelle Tribune ni des autres organes qui ont été arbitrairement suspendus, remis en place ou non remis en place. Je parlerai même de toute la mécanique de la hack et l'esprit qui est derrière, qui est en train d'être effrité, galvaudé. Je parlerai de la liberté même d'association, de manifestation, de cortège, qui, en l'absence totale ou en tournant dos à l'esprit de la Constitution de 90, qui est en train d'être bafoué. Je n'ai pas encore le dernier test du nouveau code pénal, mais on parle de plus en plus d'un fameux article 228 qui serait en train de restreindre ou de criminaliser tout attroupement. C'est grave, suffisamment grave, et nous avons non seulement physiquement, nous sommes en train non seulement physiquement de détruire Alejo, mais nous sommes en train de tourner dos à tout ce qui est à l'Edio. Peut-être que c'est l'érosion côtière qui fait ça. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, le 58e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, la rédaction de ZAE Télévision s'est rapprochée de plusieurs catégories socio-professionnelles dans diverses contrées du pays afin de recueillir leurs vœux à l'occasion de cette fête nationale de haute portée. Ainsi, après un vox populi réalisé dans la capitale, les populations de Porto Novo au micro de nos reporters saisissent l'occasion pour formuler quelques doléances à l'endroit du président Patrice Talon pour un mieux-être. On les écoute avec Charlie Fandodé et Christian Thomas-Imenon. Nous passons le 50e anniversaire malgré nous, hein, vraiment malgré nous. Parce que nous ne voyons rien pour le moment. Bon, à peine les choses commencent, on ne voit rien pour le moment. On est là, la fête, on ne sent même pas la fête. Bon, comme d'habitude, on n'est pas facile à retrouver. Nous souhaitons bonnes et heureuses années à tout le monde, le président de la République et tout et tout. Mais ce que nous souhaitons un peu, c'est qu'il faut qu'il diminue un peu. Parce que ce qui se passe à Porte-Nouveau, ce n'est pas facile. Ça va de mal en pire. Nous voyons qu'à Porte-Nouveau, vraiment, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Moi qui vous parle par exemple, je ne suis pas chauffeur, mais vous me voyez au parc. Je suis en train de conduire malgré moi, parce que ça ne va pas du tout au pays. Nous sommes dans le pays. On ne trouve rien à faire, tu es obligé de t'accrocher à quelque chose pour pouvoir manger. Vraiment, il faut que le président nous regarde un peu pour les activités, parce que ça va devant l'Empire. Vraiment, ça ne va pas du tout dans le pays. Bien, je suis un peu plus de temps.
à moins que quoi, la vie mettrait moins son. On y est plus d'yo, nous plus de plus d'yo, vie est d'yo, et mon cas est d'yo, garde bac. À moi, il y a moins son à. Et t'es quoi, il y a moins son. Pour y aller. On sent bien de l'année, le 51e anniversaire, mais 58e anniversaire, nous sentons ça bien. Et nous avons vu que l'aspect de la ville de Porte-Novo a changé. Par exemple, sur notre gare routière maintenant, la voie qui était enclavée pour entrer sur la gare, la mairie a réfectionné la voie et c'est pavé. On dit bon anniversaire au chef de l'État et on lui dit qu'il améliore notre condition de vie, surtout nous, les transporteurs. Parce qu'on sent beaucoup de tracasseries policières. Il y a ça. À Cotonou, maintenant, il n'y a pas de gare routière. Il n'y a pas de gare routière. Et si tu arrêtes quelque part pour prendre un passager, on t'attrape. Et si tu payes 20 000, 10 000, 20 000. Comme on dit, à Blodé, Mia à Blodé, Melekpo, Nimo, à Wadjidje, Voyinoukon. Nous sommes ici, nous sommes là. À présent, je vous invite à suivre les commerçants qui ont loué des stands à la Foire de l'Indépendance implantée au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. On les écoute au micro de Fatia Touélégbédé, Billy Laibi et Larios Adiagbenon. Venus en groupe ou individuellement de plusieurs pays d'Afrique, dont le Bénin, des sociétés de produits cosmétiques et de produits comestibles participent à la foire de l'indépendance du Bénin en cette année au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Une foire qui, organisée chaque année, permet aux promoteurs de faire connaître leurs produits à l'audience publique. En cette journée du 1er août, date de l'anniversaire de la session à l'indépendance du Bénin, nombreux sont ces commerçants et promoteurs positionnés pour vendre. Nous connectons ce qu'ils font déjà physiquement ici sur la toile. Et le but, c'est de généraliser. Le but, en fait, c'est de généraliser le e-commerce au Bénin, qui est stigmatisé par des problèmes d'ANAC et autres problèmes. D'ordre sécuritaire. Asso, mina remonton, bonori, po fou, po, a quand mina y donri, et ma inaki. Demi hiru ne wo, et ma angle pon, et point une autre deux mois, et ma angle pon, parce que midi a dosé un bohi, mais ou a zon. Chocho, azo le demi gano wana, et non zanon vik pe vilaine de edo, sozo doe, et non sani e, et son kondo, et nous en elemen sa ou lemen. Bon ça mais les libres sont ça tata et donc moi ça m'a condamné ça ou même nous attendons les oies sont nos amis bon condo les gens bon zando qui les noirs nous bon les arrière et le djé mais les maudo ouais dit des bagues bon milieu c'est la farine de manioc et puis on fait la pâte avec ça c'est comme un goût et puis ça prend on prend ça avec n'importe quelle sauce si vous pourriez avec matédian là. Vous serez très content. Tessina OL, c'est moi-même qui l'a fabriqué à la base du palmier à huile, qu'on appelle huile rouge. Quand vous mangez ça, ça donne la santé. Les problèmes de vision, quand on mange ça, ça évite des problèmes de passé. Avant, nos grands-parents, c'est ça qu'ils consommaient. Les stratégies de communication mises en place pour attirer la clientèle ne manquent pas. Les clients béninois comme étrangers n'étant pas indifférents aux offres d'assaut laissant marchandent les articles qui les intéressent. Ici maintenant c'est à 700 francs. On fait bagarre, on fait la pâte avec ça. On peut voir derrière moi des produits qui ont l'air intéressants. Parce que c'est vrai qu'on vit, ça fait un mois que j'habille au Bénin et on goûte beaucoup de choses, mais c'est difficile de savoir exactement avec quoi c'est fait. Et donc apparemment c'est avec ça. Ça a l'air assez appétissant, les vendeurs sont sympas. Je pense que c'est plus pour apprendre à cuisiner béninois, parce que c'est vrai que nous on achète souvent les plats déjà tout faits. Donc on va voir, on va essayer de tester ça ce soir avec nos amis pour qu'ils nous apprennent comment préparer tout ça. Mon pays, c'est comme le message que j'ai souhaité à mes amis ce matin. J'ai dit, nous avons fêté 58 ans d'indépendance, c'est bien. C'est grâce à nos efforts de chaque jour que nous allons faire mieux. Parce que pour moi,
l'avenir, c'est que je veux que le Bénin soit, d'ici les 60 ans, donc 2020, que nous soyons un pays capable de se prendre en charge nous-mêmes, de se nourrir nous-mêmes, d'œuvrer pour l'auto-emploi de nous-mêmes, de s'auto-suffire en un mot. J'aime les produits made in Benin et je suis en train de faire la promotion des produits made in Benin. C'est pourquoi je suis là ce matin avec mes enfants, ma famille, pour visiter un peu les stands. Et aussi, voici, il y a de nouveautés que les Béninois ont mis sur le marché, mais il y en a tellement où j'ai l'embarras de choix. Ce dernier invite massivement les citoyens béninois à venir se faire plaisir. Toutefois, il souhaite faire de bons chiffres d'affaires avant la fin de la dite foire. Sport à présent, après le défilé militaire et paramilitaire qui marque les festivités entrant dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la ferveur festive s'est également fait montre dans la soirée au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, où s'est joué un match de gala footballistique, un duel du cuiron qui a opposé les artistes portés par le comédien Pipi Wabaro et les autorités politico-administratives portées par Modesto Boula, préfet du département du littoral, a fait vibrer le stade. Le compte rendu avec notre reporter sportif Larios Adiagbeno. Pour marquer les 58 ans de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, les autorités politico-administratives ont battu 3-1 les acteurs culturels dans l'antre du football béninois, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, au thème d'un match non seulement historique mais aussi exceptionnel et spectaculaire. Du pénalty raté par le préfet du littoral Modeste Toboula au doublé du ministre des Sports Oswald Omeki, dont un but sur coup franc, en passant par l'égalisation et les écrits des artistes, comédiens et promoteurs culturels, le public a passé une heure d'instants merveilleux. Tout en se réjouissant d'avoir uni tout ce beau monde à travers le sport roi, les acteurs rejouent le match. Moi, je vais être sincère avec vous. C'est manque de discipline au niveau de notre bande de touche. C'est ça. Il y a eu plusieurs arbitres qui disent faites ce changement, faites-ci, faites ça, faites-ci. Ce qui a mélangé le sélectionneur à la fin. Je crois que ça a été un beau spectacle. Le public a aimé. À chaque fois, il y avait l'applaudissement de tout le monde, il y avait des cris et je crois que c'est la première fois. Et je crois que les autorités et les médias, les hommes de la culture ont décidé de s'amuser et ça a amusé aussi le peuple. Donc c'est l'essentiel. Le match a été dirigé par Laurent Torsou, le directeur général de la SB2E, devant un public chaud bouillant, composé des fans des artistes, des férus de football, de quelques membres du gouvernement, de plusieurs personnalités et de hauts gradés de la police républicaine. Le duo Balotelli et Virus a quant à lui harangué le stade tout au long du match. Soulignons au passage que lors de ce match, il a été noté la présence effective de plusieurs autorités telles que Aurélie Adam Soulezoumarou, ministre de la Communication numérique, Jean-Claude Donan-Roussou, ministre de l'Énergie et des Mines, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture. Du côté des artistes, on note la présence de Nicanor, Petit Miguelito, Togba Eton, Richard Flash, Tiaf Papayazir, Dasoglo et le vieux Caïman. Sur ce, je vous invite à suivre les impressions de quelques joueurs à l'issue du match. Les gens ignoraient que j'ai été gardien de but, gardien de but au CG de Zogbo, et les gens ne connaissaient pas cette qualité de Richard Flash. Pour les autres, c'est un chanteur. Donc je suis arrivé à la fin, mais
j'ai pu sauver les meubles, quoi. Donc, comme on peut dire. Peut-être mon marabout m'a trompé, parce que ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Et donc, c'est le sens inverse qui s'est produit. Mais ce n'est pas, c'est pas encore la fin du monde. D'ici deux mois, on va rencontrer. C'est aujourd'hui, c'est rien que des Béninois. Demain, ça sera avec les artistes de Aïe, venus d'ailleurs. Bénin joue contre les Gowou, ici, Burkina, les Ghanéens. Et vous allez voir ça. Bon, on est en train de faire ça pour savoir ceux qui s'est joué. Vous voyez, non? Ça, pour aujourd'hui, c'est l'amusement, mais ce n'est pas la fin. Prochainement, vous allez me remarquer au-dessus du terrain. Je suis un élément dangereux au football. Mais j'ai laissé aujourd'hui, j'ai voulu regarder ce qui va se passer. Mais je n'ai pas peur. C'est rien, le gouvernement, on va les battre prochainement. Personne n'a perdu, c'est le peuple béninois qui a gagné. Que ce soit artiste ou autorité, on est tous béninois. On a parlé d'un match de gala, ce n'est pas une compétition aux tensions. Mais vous avez vu que les autorités se sont préparées. Vous voyez déjà leur gabarit par rapport à ce que nous sommes de l'autre côté. Le score ne peut en être autrement. Donc il faut savoir que c'est un match aller. Je suis sûr qu'au retour, nous-mêmes là, on aura le temps d'aller chez les vigorisateurs, prendre un peu de l'air dans nos poumons et revenir et renverser la vapeur et les massacrer. Ce n'est qu'un aller et c'est au retour qu'on va savoir qui est plus fort que qui. Mais pour l'instant, on ne peut pas battre nos autorités, on les respecte. On a essayé de faire le jeu pour que ce résultat-là soit ce que vous avez eu. C'est vrai qu'on a compris dès l'entame du match que tout le public supportait les artistes. Donc il fallait redoubler d'efforts pour pouvoir maîtriser la partie. Et surtout que moi, j'étais en milieu de terrain. Donc j'ai essayé de me consacrer beaucoup plus sur la récupération de balles, parce qu'à un moment donné, nous avions constaté une équipe très en jambes au niveau des artistes qui nous a créé beaucoup de problèmes, surtout dans notre défense. Nous avions quand même essayé de colmater les brèches. Et voilà le résultat au finish. Nous avions remporté 3-1. J'espère qu'ils prendront une prochaine fois leur revanche. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette grande édition du journal télévisé sur EZAE Télévision. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetelevision.com. Bonne soirée à toutes et à tous.